être Dandy et Pagliano en liberté. Après 48 heures étaient écoulées. La police de Los Angeles avait des soupçons sur Dennis Darley et Brandita Tagliano, mais aucune preuve formelle de leur présence sur la scène du meurtre de John Darley. Les nombreuses pistes n'avaient mené à rien. Puis, à la fin février 1994, le détective Paul Tippin reçut l'appel qu'il attendait depuis 3 ans. Depuis le meurtre de John Darley, la technologie en matière d'analyse d'ADN avait connu un essor prodigieux. Grâce à un nouveau procédé, il était maintenant possible de déterminer le code génétique d'un individu à partir d'échantillons infus. Il serait possible d'analyser la matière découverte sous les ongles de John Darley sans détruire complètement l'indice. La nouvelle technique d'essai en laboratoire appelée réaction en chaîne de polymérisation pousse l'ADN à s'acquitter de sa fonction naturelle. La duplication continue. Un environnement contrôlé de produits chimiques et de chaleur agit un peu comme un feu. J'ai pas bien dormi. Hein. Moi, je dois toujours bien. Hein. Et j'ai toujours autant l'appétit. Hein. Alors que j'ai mangé en direct. Comme ça, les ténébreux me voient manger. Parce que je suis sûr que les ténébreux ont dormi au paradis aujourd'hui. Les ténébreux et leurs sympathisants ont dormi au paradis aujourd'hui. Mais rien ne change. Ça ne chauffe pas. Facebook reste intact. Intact. Parce que la reine des ténèbres adore quand il y a des désordres à Facebook. Elle adore les désordres. Oui, je vous ai déjà dit ça, personne ne me comprend. Je suis mal compris de ça à Facebook. Je me reprends ce matin à la chèvre Brossani. J'ai dit que tu as coupé une de mes directes pour dire que toi, en tant que Bamileke, tu ne peux pas cotiser pour moi. Tu as cotisé pour qui un jour? Je t'ai demandé quelque chose. Tu es sûr que Bamileke ne m'a pas donné l'argent? Tu es sûr? Va d'abord aider Pipi, le gouvernement des Pipi, des ténèbres que vous êtes là. Va aider Pipi. Tu peux aider à envoyer quelque chose à Pipi un jour. Tu sais que Pipi m'avait dit un jour, Pipi m'a dit qu'elle n'a pas trop confiance en toi. Tu entends, non? Vous avez bien dormi aujourd'hui? Je ne pense pas. Hein? Parce que moi, j'ai bien dormi. Tu sais, moi, quand je dors bien, j'ai même mis mon beau pyjama. La cupidité de Dandy Tagliano les avait conduits jusqu'au meurtre. Malheureusement, l'appât du gain est souvent le mobile d'un homicide. Certaines personnes vont même jusqu'à faire du meurtre un élément de leur plan d'affaires. Les gens qui ont faim chaque jour, les Mbappé. Les Mbappé. C'est maintenant qu'on sait les qui commandent Facebook. Moi, je commande Facebook. Fleur commande Facebook. Ngosa commande Facebook. Toi, tu veux tellement qu'on parle de toi que tu es obligé de fabriquer les choses. Ouais, mais bien. La chèvre du zoo. J'avais bien dormi. Je vous dis que moi, j'ai dormi jusqu'à ce que j'ai ronflé.
J'aime encore sommeil où je suis sûr. J'aime encore sommeil jusqu'à. Noblesse de Bordeaux, bonjour. Parce que moi je dois toujours manger le matin. Hein. Bébé malheureuse. Attends. Ça ne chauffe pas. Mais il y a certains ici qui sont obligés d'envoyer les jeunes garçons insulter, dénigrer les autres parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Parce que ces derniers temps-ci, pipitologue, ils osent aboyer. Il n'y a plus assez de vues là-bas. Il n'y a plus rien. Elle doit être au centre de l'action. Vous voyez maintenant, elles sont nombreuses. Moi, pendant les fêtes là, moi je n'ai pas parlé mes choses. Pendant les fêtes de Noël, il y a une qu'on appelle Zoro, la patronne. Elle m'a dit, ouais, la veuve, ça ne va pas sur moi. Il faut mettre quelque chose pour que les enfants mangent. Ah, n'est-ce pas, je lui ai envoyé quelque chose. Hein? Même quand elle a dit à Facebook, merci la veuve pour m'avoir aidé. Je lui ai demandé qu'elle ne prononce plus mon nom à Facebook. Donc, elle aussi va venir s'asseoir aujourd'hui. Me dit que je l'ai payé. Je l'ai payé pour insulter à. Je ne sais pas qui à l'époque. Je ne sais pas qui on insultait à l'époque. Pardon? Donc, on ne peut plus aider quelqu'un maintenant. Donc, quand une star aide un petit pauvre type, un petit pauvre machin ou une pauvre femme, qui passe ton temps à pisser, qui n'arrive pas à se lever le matin pour aller laver les assiettes comme la pauvre joyeuse, qui n'arrive à rien faire dans sa vie, qui est juste là couché, fumé, commandé, elle commande dans tous les inbox. Et quand on dit que Ngossa c'est une mendiante, Ngossa c'est pas une mendiante. Lolo, toi tu es une vraie mendiante. Tu es une vraie mendiante. Tu dis que, ah, vous voyez un peu l'esprit des ténèbres, comme je l'ai aussi aidé, elle dit que je lui donnais de l'argent. Parce que pour acheter son amitié. Vous voyez un peu le même système là. J'ai eu Fleur hier soir. Fleur m'a dit que oui, effectivement, je lui ai envoyé un peu d'argent, mais jamais ça n'a jamais été pour insulter Lolo. C'était un truc que je l'ai aidé comme ça, que petit frère. Parce que d'abord, il a contacté Fleur chaque temps, ce que Fleur m'a dit. Il a contacté Fleur chaque temps. Et Fleur lui a dit que mon fils, moi je ne suis pas trop Facebook, je ne peux pas passer mon temps, ma journée, à parler avec toi. Parce que c'est la même chose qu'il fait, parce que c'est un petit gars qui harcèle dans les inbox. C'est-à-dire que quand tu as mis avec lui, il pense qu'il va t'appeler, à n'importe quelle heure, et puis tu vas répondre. Tu vois, un peu à WhatsApp. Comme ça qu'il a dit à Fleur que oh, ça ne va pas sur lui, il est un peu, il a faim et tout. C'est comme ça que Fleur me dit que Fleur, je lui ai envoyé un peu d'argent. C'est moi-même, elle m'a apporté, c'est moi-même, je lui ai envoyé de l'argent parce que j'ai eu pitié de lui. Parce que vous-même, regardez ce petit machin quand il est en direct. Parce que vous savez, moi, j'aime la guerre. J'aime l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est que je do me à do you. Moi, j'aime un peu les choses comme ça. Vous voyez un peu? Ça, moi, je suis dans l'art, je suis né pour la guerre. Vous me voyez, c'est parce que moi, d'abord, j'aime d'abord les problèmes. Parce que quand vous commencez avec moi, que je n'ai rien fait, vous allez payer sa chair. Et moi, ça me fait plaisir. J'aime bien bavarder. Ça me fait plaisir de rester là à bavarder. Il faut toujours les nouveaux dossiers. Comme on dit, chaque jour qu'on dort, il y a les nouveaux dossiers. On est d'accord? Oui? C'est le même système. Tu aides quelqu'un, la personne dit que, oh, soit j'ai bien abusé de toi, soit tu m'as payé pour être mon ami, soit oh, tu m'as payé pour insulter l'autre. Vous voyez un peu la même gangrène. Vous savez le nombre de personnes que j'ai aidées ici à Facebook, que j'ai même aidées ici à Paris.
S'il faut que je cite leur nom. Mais je peux vous dire peu de gens qui m'ont déjà aidé. Peu. Mais moi, je vis toujours. Hein. La veuve Joanne, je vis toujours. Mais il y a les donatrices. Il y a les gens qui disent que la veuve Joanne nous a trop fait rire. Souvent, les gens sont comme ça. Tu entends comment envoyer 1500. Tu vois, il y a vu que on m'envoie quelque chose, je viens m'asseoir ici à Facebook, je commence à montrer que oh, tel m'a fait ceci. Non? Ouais, essayer de manger doucement, doucement. Il harcèle les inbox. C'est-à-dire qu'il peut t'appeler. Parce que vous n'avez pas remarqué, il y a un moment, chaque fois que j'étais en direct, je suis comme. Parce que, si je fais tout le temps un peu les vidéos en cuisine maintenant, c'est pas que j'aime bien, j'en ai marre d'être toujours assise. J'aime tuer être debout. Donc, il appelle tout le temps. C'est lui qui appelle souvent là, dans les directs. Il appelle souvent dans mon téléphone, mon WhatsApp. Il appelle tout le temps et quand tu ne le prends pas, parce qu'au fait, il a vu que le fait, il a eu un transfert. Le transfert, c'est quoi? Il a fait un transfert sur moi parce que il a vu que les pipis là-bas ne veulent plus parler avec lui. Fleur ne veut plus parler avec lui. Comment on appelle ça? Mon hospice ne veut pas parler avec lui. Donc, du coup, il fait un transfert sur moi. Chaque fois qu'il fait une vidéo, c'est des états, vous voyez, il mettait un financier blogueuse état. Et le fait que moi, je n'ai pas donné un peu de pouvoir, je n'ai pas donné l'occasion de venir déjà dans cette direction, même pour lui dire bonjour, je n'ai pas fait attention à lui. Tu vois un peu? Donc, ça le ruminait parce que, qu'est-ce que tu crois, toi? Que les gens vont rester là? Que moi, peut-être là où je lave mes sols là-bas, mes longs ongles ici, qui me font mal là. Tu vas appeler les gens n'importe quel moment. On n'est pas amis. On n'est même rien. C'est toi qui cours derrière les inbox des stars Mbrakata. Et c'est toi qui viens les insulter à Facebook. Moi, je ne comprends plus rien. J'avais parlé dans un direct que je veux lui payer 50 euros tous les mois. Si, il va venir faire des chroniques. C'est la seule chose que je lui ai dit. Je ne lui ai jamais appelé inbox pour parler de ça avec lui. C'était en plein direct. Mais apparemment, il raconte partout. Oh, machin, je n'ai jamais été en contact avec lui. Vous voyez, c'est les mêmes gens de là, les mêmes gens de là, qui ont des petits cerveaux. Ça veut dire que tu l'aides. Parce que quand une personne te dit que Marco, ça ne va pas, j'ai faim. Tu vas voir que je suis à ta coupe. Marco, ça ne va pas. Je veux faire ceci. Donc, le fait que tu donnes que je suis à ta coupe, ça veut dire que tu lui payes pour l'amitié. Comme, parlant dans l'amitié, quand on est amis, ça veut dire qu'on peut se fréquenter. Je peux venir chez toi, tu peux venir chez moi, ça s'appelle l'amitié. On peut faire les restaurants ensemble. Ni je suis jamais allé chez elle. Je n'ai jamais été chez toi. Je n'ai jamais fait un restaurant avec toi. Tout le monde n'est jamais sorti un peu dans la journée, même comme ça, aller se balader. Non. Et tu vas me dire quoi? Quand tu n'as pas voulu que j'aille chez toi, parce que tu n'as pas de chambre, tu as une seule chambre. Normalement, tu as une chambre. Et là où il y a un petit cagébis, là où tu peux poser le matelas de ta fille, là, c'est tout. Parce qu'il y a certains gens, quand ils cachent les choses, ils ne veulent pas que les gens comme moi, j'arrive chez eux. Vous voyez un peu, parce que je veux regarder. Je dis que dans la grande gueule qu'on fait, donc c'est ce qu'on habite. Il y a aussi ça. C'est tout. Donc, quand vous voyez une bande comme ça, ma cible, c'est pipi. Regardez Pipi, regardez le parcours de Pipi. Pipi a fait quoi de bon? Elle a réalisé quoi de bon depuis des années? Que nous tous sommes ici. Là. Depuis qu'elle est née, elle a déjà fait quoi de bon que Dieu peut dire que Dieu l'a maudit? Dieu a maudit cette fille. On appelle ça les maudia. Les réseaux sociaux, les maudia. Qu'est-ce que Lolo peut dire que quand tu attends, oh Lolo, machin, tout, Lolo a fait ceci, Lolo a déjà fait quoi dans sa vraie vie en dehors des réseaux sociaux? Là où s'habille là, dans les chaînes chinois là-bas au Bénin, là où c'est trois costumes à 100 euros. Moi je m'habille chez les Chinois, moi. Moi j'aime les crocodiles. Hein. Parce que j'ai décidé que j'aime quand ils me lancent au défi. Pipi et moi c'est one, two, un jour, un jour. Il faut vous aussi se dire comment vous. Hein, les femmes de la toile, vous avez vu. Maman, de comment c'est vraiment honteux pour toi. Hein. Tu encourages les petits jeunes à inciter les gens. Tu vois, tu es pareil. Mon frère, tu es pareil. Tu fais partie du partage du même sillon. Parce que Lolo Pipi, c'est ta patronne. Elle restera ta patronne toute ta vie. Ça, tu as besoin d'entourer des gens comme ça. Voilà, alors, vos gens, les Patricia, j'aimerais que tu insultes. Comment tu peux encore insulter Patricia?
que j'ai vu que tu faisais un direct hier. Moi, je te regarde en caïman. Mon pasteur. Décompte, mon pasteur. Le pasteur, c'est comment encore? Comment tu es juste encore des membres de l'église comme ça? Gros nez. Voici nous, Elan. Vous êtes pas, vous êtes parti du même son des ténèbres. C'est encore comment là-bas nous. Marcha. Nous, les gars. Moi, il me faut seulement les doigts. Et que ce soit mon nom. Moi, je ne suis pas caté comme timide. Je vous le redis. Quelqu'un m'insulte, je t'insulte. Si tu ne m'insultes même pas, je t'insulte. Qu'est-ce que c'est ça? À la guerre comme à la guerre. C'est comme ça. Nous, on aime les Japon. Quand j'avais dit que zéro père, vous avez dit que oh, la veuve joyeuse, la haine de la toile. La femme, la haine, c'est une haineuse jusqu'à. Telle paix. La paix de quoi? De manioc à Facebook. C'est zéro paix. Je que personne ne bouge son djangé. Que c'est ça. Mais j'aime quand c'est les stars qui bouffent le djangé. Parce qu'on a montré hier que. Il y a trois stars qui. Trois stars bracata. Ils ont marqué l'étoile hier. Fleur de Lille, Ngospit et la veuve joyeuse. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour intégrer la bande des injures. Moi-même, on m'a nettoyé. Et quand c'est comme ça, tiens, t'as seulement le pipi, le la puissance des pipi, et ça pue très mal. Je dis que, le tu es quelle puissance? De quoi? D'en a rien? Là où tu traînes encore avec les 1 an là? Là où tu traînes encore avec les 1 an là? Regarde le corps que tu as, la taille que tu as. Tu ne veux pas me dire que tu n'aimes pas les blancs? Tu veux dire que j'ai épousé un blanc depuis des années et avoir par un projet comme un petit souteneur comme tout le monde fait? Donc tu vois que ta situation est bien placée là où tu es placé là. C'est pas que par un projet ne sait pas là où partir. Mais un jour, tu vous maries, je ne te marie plus. Ouais, c'est beau quand même. Énergie, ça du sel. C'est très bien dormi. Je ne dorme pas, pourquoi? On attaque la veuve pour rien. Parce qu'il a la gueule, le petit garçon la gueule. Il me dit qu'avant que... Comme tu me tiens tête. Pas que j'ai écrit que, mais j'avais écrit que tu vis chou. Quand il y a retournement de la situation, il dit que tu vis chou, j'en ai rien à foutre. Lolo, Pipi et Ngenga, sont mes gens là-bas. C'est une place. Maman, je t'ai prononcé toi. Quand tu passes ton temps à insulter les gens ici à Facebook, tu es influenceuse blogueuse d'État. Parce que, tu serais quand tu es influenceuse blogueuse d'État. Les gens vont écouter ce que tu vas dire. Oui. Là, maintenant, tu sais que tu veux plus mettre tes filles à ce bureau de table. Maintenant, tu vas mettre qui? Tu vas chercher le nom de Lolo au fond pour mettre, pour insulter. Parce que tu as besoin de support pour insulter les gens. C'est ça qui est ça. Et bien, bienvenue. C'est dur. Moi, je t'ai vu venir, hein. Et j'ai dit que, Bah, comment essayer de regarder les choses à Facebook, est-ce que, Et voilà. Et nous y sommes. En tout cas, animez les Facebook. Si tu crois que tu vas venir dire aux gens que, tu dis que tu, que si quelqu'un insulte tata lolo, maman pipitologue. Moi, je veux l'insulter chaque jour que je veux, j'ai que c'est ma bosse à dents. Je l'insulte quand je veux. Parce qu'elle est faible.
Elle n'a pas les couilles. Elle ne peut pas se lever comme ça pour aller chercher son argent. Elle ne peut pas se lever pour faire quelque chose. C'est une escroque. Elle m'a escroqué. Et je suis fier de l'avoir aidé dans la merde. Mais qu'est-ce qu'elle a dit que je l'ai aidé? Parce que je suppliais son amitié. Tu me vois te supplier l'amitié, moi, si? Vraiment, il y a des gens. Où va le monde? Hmm? Tu peux me tenir, moi? Tu ignores que je suis. Toi, tu n'as que la bouche. Là où tu fais la bouche, moi, je réalise. Ce que je suis, c'est ça. Dieu t'a tout refusé. Même les seins, là, il t'a versé les seins et papiers, les seins au corps, parce qu'il ne t'aimait pas. Il t'a donné la maladie que tu caches là, parce qu'il ne t'aimait pas. Les enfants sont muets, parce qu'il ne t'aimait pas. Il a fait que tu te sous ici, parce qu'il ne t'aimait pas. Quand Dieu aime quelqu'un, il donne tout. Moi, Dieu m'a aimé. Moi, Dieu m'a aimé. Tu entends l'eau pipi. Ah, maman, je suis fière. Maman, quand elle voit Namangwe, aïe, quand elle voit mes enfants, aïe, pas ça. J'ai mis le béton au sol. Hein? Au sol. On envoie ça comment, comment? Quand tu envoies là-bas chez les gens là, c'est ce que tu viens de demander ça? Hein? Demande aux gens que tu peux demander, ils vont te dire comment on envoie. Hmm? Aïe! Les gens qui ont le ventre mieux me parlent. Le ventre mieux ne me parle pas. I tell you. Ne me parle pas. On t'a accusé ici que Niat m'avait dit que tu es sa mère ici. Tu as pleuré à Facebook que tu n'es pas la mère de Niat. Quand les. Cette machin qu'on appelle de ma pute là. De ma pute. Hein? C'est ton tour aujourd'hui, hein? Hmm? Ouais, on envoie les étoiles comment? Il y a le truc vert là, le truc jaune là qui est devant toi là en bas. Le truc là où tu as pris pour écrire en bas. Regarde en bas là, tu vas voir le truc jaune là, le truc jaune là. Si tu ne trouves pas ça, tu sors du direct, tu reviens. Il y a un truc jaune là. En bas. De ma pute! Tu ne vas pas savoir que Nia c'est ton enfant. Même Nia qui m'a dit que tu es sa mère. Mais vous cachez tout. Hein? Un enfant qui insulte les fesses de sa mère. Tu n'as pas les fesses muettes. Tu as accouché. Niat, c'est son enfant. Niat, c'est ton enfant. Même quand on la panthère le sait. Comme on la panthère le sait. Mais on sait qui est le père de ton enfant là. Mais que ça à Paris ici là. Mais on cache, on couvre, parce que chez moi on couvre toujours. Donner un enfant, hein, elle n'est pas stérile. Hein. Deux, il y a un qui était mort. Et l'autre qui est né, elle a jeté à côté de la poubelle. On a retrouvé une niette à côté de la poubelle. On va sortir ça aujourd'hui. Niette. On va sortir tout ça aujourd'hui. Today, not today. Hein? Ici à Facebook, c'est toujours comme ça. Quand c'est pour certains gens, tout le monde est au courant ici à Facebook. Tout le monde, tous les bambins, que ça va parler que Nia, c'est ton enfant. On te regarde, Nia, t'as quel âge, maman? Si on accouche à 12 ans ou 14 ans, c'est normal. Et si on a 50 ans, c'est normal qu'on ait un fils comme Nia. Calculer l'âge, il y a un enfant, hein. On va dire que c'est un vieux. Il a quel âge, hein? On va parler ici à Facebook. Si vous croyez que vous allez partir recruter un petit sanglier pour venir insister les gens à Facebook, jamais.
Ok. Ah, yeah. Messieurs. C'est la mangue. On va sortir les vérités. Sortez. Nous avons des temps. Les gens qui disent là où on les nourrit, pour être là où les gens, là où les affamés sont. Tu as vu Ngosa, Ngosa Ado, elle là où on lui donne à manger hein, et à boire. Alors, est-ce qu'elle a dit qu'elle est mangée? Oui, mais elle adore, elle mange. Hein? Est-ce que tu ne sais pas insulter les gens qui donnent à manger? Aïe, c'est la mangue de Dieu, oui. Non, parce que comme j'ai mangé, c'est la nuit. On va animer Facebook, il go, il go. On va animer les toiles. On va voir qui sera sali plus que ça. Plus que les cordes. Je vais sauter à Gloria. Tu peux pas aussi l'aider comme tu aimais souvent, comme tu aidais Kankam. Kankam, les gens qu'on utilise, on jette son truc comme ça parce que mon loulou, moi j'ai eu pitié de toi, j'en ai eu ma tête donner l'argent. J'étais chassé. Amuse. Bastide. Merci, femme bio. On va se déranger ici à Facebook. Hey, ta star. Le talent vous dépasse tout. Un impérateur économique comme moi, une philanthrope qui aide les gens. Moi, dès que tu me donnes quelque chose, je divise toujours, je donne à quelqu'un d'autre. Je ne mange jamais seul. Sérieux? La mère de Nia, c'est Lolo Pipi. Ce qui est sûr, c'est ça. Quelqu'un est au courant, quelqu'un sort le dossier là. De ma pute. Aujourd'hui c'est ton tour, tu t'assois bien aujourd'hui hein. Tu me regardes ce que je vais te faire aujourd'hui. Sache que toi et moi, tu vas aller en enfer. Tu m'invites à ton anniversaire. Tu crois que je me lève comme ça pour venir aux anniversaires des frères Laté? Tu vois, je vais me lever là pour venir à ton anniversaire. Pour faire quoi? Je manque à boire ici. Hein? Avec les problèmes
de bus, de train qu'il y a, donc je vais quitter ici pour encore vivre comme je suis parti vivre là-bas, là, Carcassonne, que pour rentrer ici, là, la mort était à côté. Non. Non. Quand lui aussi, elle a appelé là-bas, maman. Oh, la racaille de Bamileke. Oh. Tu as fini de tuer les marabouts de fleurs de lune. Vous êtes vraiment hein, les mbap. Les vieilles chouettes. Je vais te traiter aujourd'hui. Tu vas voir demain nous. Je ne connais pas très bien. Je vais te traiter en direct. Je vais te montrer que hein, tu ne me connaissez pas très bien. Je vais te traiter en direct tout à l'heure. Tu es parti, tu es tombé malade là, tu es parti au Cameroun te faire soigner. Parce que votre truc que vous prenez à Tchang là, vos crânes là, parce qu'à Tchang il y a encore les crânes, vos dons que vous mettez là avec les trois chaises là, et les trucs là, tout ce que tu es revenu avec les jeux à Facebook, non? Tu es revenu. Ça va encore t'attraper le tout aussi. Tu sais comment on a coupé les pieds de ton père, non? À cause du malaxé. Boum, boum, boum. Je veux te faire la tête. Tu me connais, non? Attends-moi aujourd'hui. Peut-être que vous m'oubliez souvent. Fais un masque. Tu prends, tu fais un masque, tu fais un gommage. Prends, je ne sais pas où dans quelle ville tu vis, prends Yves Rocher ou je ne sais pas quoi. Fais un masque. Deux fois par semaine, un masque. Puis tu fais un masque, tu fais d'abord un gommage. Et après, tu fais le masque. Et tu mets ton huile, ça va passer. C'est tout. Masque, gommage d'abord. Il y a les petits trucs là qui sont comme les selles là. Tu fais comme ça. Après ça, tu fais un masque. Et après ça, tu mets ton huile habituelle. Tu fais ça deux fois par semaine. Tu vas avoir le masque de côté, ça va partir. Mais non, naturellement, le masque part toujours seul. Je ne sais pas pourquoi t'as pas. Ça a duré combien de temps? Normalement, même sur la tag ici, qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne me dérange pas si j'entends ici. Hein. Elle peut d'abord mettre ses pieds ici. Elle a intérêt à me regarder dans la fenêtre. Tu as compris, non? Le masque de grossesse. Gommage. Tu fais un masque. Masque d'argile verte. De préalable, c'est très bon aussi. Tu fais ça après, tu fais ça deux semaines. Parce que moi, je faisais deux semaines. Pendant un mois, c'est parti. Hein. Mais normalement, les masques de grossesse, ça passe. Hein. Mais c'est ce que moi, je sais. Hein. Peut-être que ça a changé. Comme le monde change là, peut-être que ça a changé. J'ai fini de manger, j'ai fait mon atelier. Donc, demain-nous, toi et moi, aujourd'hui. Voilà une recette qu'on te dit. L'enfant a déjà un an. Ok. Normalement, à partir de 3 mois, 6 mois, ça part. Le masque de grossesse commence à partir. Enfin, pour moi, hein, pour moi, 8 mois même, c'est à partir. Bon, tu as alors le masque. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le masque dans nos salles de bain là. Chaque fois que tu prends même la douche, là, tu prends le masque, tu masques ton corps, tu... Pas le masque, le gourmand, tu fais le gourmand dans ton corps, au visage. Même moi, chaque fois que je... Vous savez, chaque fois, j'ai souvent eu des allergies comme ça aussi ici. Hein. Vous savez, parfois, j'ai des boutons qui sont... Parfois, je ne sais pas comment faire. Hein. Parfois, je fais le masque une ou deux fois. Et aussi, à un moment, parfois aussi, on oublie les choses, les trucs comme ça. Et fais le gourmand, après, ça part. Fais le gourmand. Tu fais d'abord un gommage, après tu fais un masque. L'argile ou bien le masque que la dame t'a donné. La poudre de curcuma.
Tu vas demander ça. C'est pas dans quel pays tu es. J'ai permis de filmer, pardon. On va animer Facebook, here we go. Aujourd'hui, si vous croyez que vous allez vous mettre à 6, à 5 ou à 20 pour m'insulter à Facebook parce que vous êtes les stars déchus, les raclus des murs. Qui? Moi, je suis une star confirmée. C'est la confirmation de la confirmée. Une influenceuse blogueuse état de la canne. Des petits gens du sous-quartier me parlent, moi. Merde. On va voir ça aujourd'hui. Et Buruganjanga, c'est moi qui vous promets. Je vais dormir là parce que j'en vais faire un petit truc que je fais là, mes 3 heures là-bas. Tout à l'heure, je vais partir à 9 heures. Donc, je serai de retour vers midi. L'après-midi, si je ne fous rien. Donc, ça c'est direct. Parce qu'on dit souvent là que celle-là passe le temps à faire les directs. Je dis que je veux faire direct. Vous savez quand moi je dis que je commence ma part de direct, non? Ah! Même 100 directs par jour. Que moi j'ai les poumons pour faire les directs. Attendez, je ne vous lâche pas dans l'outard. N'importe qui va me menacer. Mais ça. Les gens qui ont abandonné leurs enfants dans les poubelles me parlent. Melbourne, en Australie. Qui t'a envoyé là-bas? Les Camerounais voyagent, toi. Hein? Tu es dans l'air où il y a les kangourous. Mon rêve de voir les kangourous. Elena, donc tu es là-bas. Là où il y a les kangourous. Mon rêve. En tout cas, quand on vit, on rêve toujours. On a toutes les ambitions. Peut-être qu'un jour, mon rêve va se réaliser d'aller au bateau. La croisière, je vais aller à Melbourne pour voir les kangourous en Australie. Chez Mel Gibson. Tu vois comment tu me donnes le sourire le matin comme ça. Donc tu vis loin comme ça. Maman, pour arriver là-bas, au bout du monde, là-bas, c'est combien d'heures d'avion? 100 heures. Il y a des endroits que bêta, je reste ici en France. C'est trop loin. Mais c'est bien dans la mer. Parce que tous les soirs, il faut aller danser le soir dans le bateau. Tu es invité à la table du commandant. Parce que chaque soir, on t'invite à la table du commandant. Ou bien le commandant vient dans votre table danser. On la croisière s'amuse. Moi j'aime la joie. Hein? Je ne sais pas comment Dieu m'a créé. Moi je suis. C'est comme j'ai ri, c'est comme ça que je pleure aussi vite fait. Donc, les rires et les pleurs sont deux choses que j'ai. Je ris tout le temps et quand ça ne va pas. Bon. Là il est 7h10. J'ai 1 heure de sommeil là. Je me lève. Allez, here we go. Donc, on va se croiser, on va se capter tout à l'heure. Ben, quand il veut finir. Aujourd'hui, il n'y a même pas grand chose à faire. Même 1 heure, tu peux finir, mais comme tu dois toujours pointer tes 3 heures. Moi, j'étais souvent que je fais mon truc, voilà ça, mais il y a tant, 3 heures de temps. Je m'avais pointé. En tout cas, chaque personne voit la tour Eiffel à sa porte. Mais il y a certains gens qui ne voient pas la tour Eiffel. Hein? maman vient menacer la veuve joyeuse. Vous venez chercher, mais Tarmandouane. On appelle le Tarmandouane en français, c'est. Tu sais quand le feu allumé là, quand le feu allumé, les trucs du feu qui tombent là, on appelle ça, c'est pas comment on appelle ça, les flammes là, quand les flammes tombent là, quand ça brûle, parce que peut-être une maison brûle bien, qu'il y a du bois, quand ça brûle beaucoup, ça pète comme ça, tu vois, ça fait qu'on a des petites flammes qui montent là, ça brûle. Mais Tarmandouane, tu veux chez Tarmandouane, ça vous connaît pas comme Tarmandouane, non, mouf,
Et vous nettoyez vos races de porc aujourd'hui. Vous avez dit non. Bande d'idiots. Voilà, j'ai assez pour les chaussures, non. J'ai payé ça hier. J'en ai marre chaque fois, comme j'ai les longs ongles là maintenant. Là. Ah, il va mettre mes chaussures là, il faut que. Il y a mis les petits là aussi. J'avais les petits de ça que je marchais souvent avec ça. Ah oui, ah, justement, voilà. Donc, ça, je peux faire ça. Oh, c'est long, vous avez vu? On appelle ça les braises du feu. Voilà. Les braises du feu. C'est ça. Mais Tarmandjouane, vous êtes venu me chercher, non? On va hip go. Mais Tarmandjouane, la braise du feu, vous êtes venu me chercher. Quelqu'un me dit, on me dit que quoi? Tu as dit que quelqu'un m'a interdit de jeter un gota un jour. On m'a déjà dit que la voiture ne jetait pas un gota. Jamais. Tout le monde me laisse faire. Tout le monde me laisse faire à Facebook, c'est comme ça. Toi, tu sors, yeah, yeah. Hein, les vous dépasse tous. Je ne vous dépasse tous. La personne qui va encore installer l'eau, je vais finir avec. Maman, tchèque! Tu t'es mis dans les pétrins. Hein? Tu t'es mis les bosses à dos. Tu viens trouver les gens qui ont fabriqué les injures à Facebook. Toi, tu viens déjà lui menacer. On va voir ça. Bon, mais voilà, je vous laisse. Hein, pour que je dorme un peu. Vous savez que l'Europe n'est pas facile. Tout le monde doit se débrouiller. Bonne journée. Hein. On va se retrouver vers midi. Quand elle va sortir du travail, là, je vais faire les directs. Bonjour. Abba Hassan Suleiman Abba. Ça va? Comment va la famille? Oh, oh ouais. Oh, 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 tout le monde dépasse la veuve joyeuse, même les morts vivants me dépassent. Ouais. Je vous ai même pas montré. J'ai acheté celui-ci, celui qui est petit. Comme ça, quand ils sont dans les tables, comme ça, tu vois. C'est le plus petit, c'est le plus les grands là. Quand je suis comme ça, la table, comme ça, je mets mon téléphone. Ça, c'est le matériel qu'on va faire pour notre émission. Pour dimanche. Aujourd'hui. Parce qu'il faut maintenant que je commence à avoir un bon thème. Tu vois, non? Quelque chose de très beau. Donc, dimanche. Lumière LED sur Trépied pour photos et vidéos. Oh! Celui-ci a beaucoup de fonctions, hein. Ah ouais. Celui-ci, tu peux me le tourner, hein. Donc, tu peux tourner ça. Tu peux tourner comme ça en rond. Donc, si je suis assis comme ça, ça peut me filmer de côté. Ah. Devenir la star des réseaux et des tutos. Aïe. Améliorer l'éclairage de vos photos et vidéos. D'accord. Vidéo, photo, tuto, selfie, live, make-up. D'accord. On va voir ça. Ça, c'est pour notre émission. Faut que je sois belle. I am the belle, vous voyez, non? Donc, les trépieds. Ok. L'autre que j'avais, que ma fille m'avait offert là, ça s'est cassé. Je crois que j'ai même jeté ça. Donc, c'est que j'avais. Moi, je préfère celui-ci. En plus, celui-ci est tout petit, c'est portable. Tu peux l'amener partout où tu vas. Tu vois, tu peux me le mettre dans ton sac. Parce que tu vois, si je fais comme ça, tu vois, je peux l'amener partout où je veux. Ça entre bien. Évidemment, sans le carton. Je cherche mon plastique là, je mets ça dedans. Dès que j'arrive quelque part, je m'installe, je fais mes vidéos. Voilà. Ah là 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 là. La star des lacs. La star.
Ouais, je suis né dans une bonne étoile. Bientôt, vous allez partir bientôt. Je vais vous nourrir encore pour l'instant. Bon, là, c'est bon, là, je vous lâche. Je vous laisse les voir aussi. Je vous laisse. D'accord. À tout à l'heure. À midi, je serai avec vous vers midi. Bisous. À tout à l'heure, merci. Aujourd'hui, ça va être chaud, chaud, bouillant. J'ai dit que chaud, chaud, bouillant. On avait dit que... la semaine dernière, c'était Malox. C'est la semaine, c'est que c'est Malox. On est plus chez Malox, on est maintenant chez... Tout à l'heure. De toute façon, les vidéos d'Estan Blakata et les gens du CRI, ce n'est pas pareil. Donc, tout à l'heure. Parce que trop, c'est trop ici à Facebook. Il y a des gens que tu... Il y a certains gens qui rêvent seulement que tu prononces seulement leur nom, ils deviennent stars. Quelqu'un va se mettre au créneau pour t'insulter gratuitement. On ne m'insulte pas gratuitement. Surtout quand j'ai raison. Je cherche à YouTube Valérie. YouTube Valérie, je supporte à Bolingo. Je supporte à Bolingo. Je supporte à Warriors. Abimte. Tout à l'heure, mes bonne journée. Moi, je vais dormir un peu. Après, je vais courir au travail. Tout à l'heure, merci.